Et yo tout le monde, c'est Nightmare, on se retrouve pour Chainsaw Massacre 3, c'est un trop beaucoup trop vite et bim! Alors donc, on se retrouve pour l'épisode 3 de Changeman Sky, et donc, oui, il y a beaucoup trop de donc dans cette phrase, le défi qui a été sélectionné, que j'ai réfléchi, c'était imaginer la totalité des phrases des aliens. Donc merci encore une fois d'avoir voté, vous imaginez pas le plaisir que ça me fait en fait de voir que vous aimez cette série. Donc je pense que vous je vous remercierez jamais assez, je reçois des... Enfin j'essaye de répondre à tous les commentaires, voilà, j'essaie d'être présent avec vous et tout, et vous pouvez pas me faire plus plaisir qu'en votant. Donc on va commencer. Donc on continue quand même à buter ces... Allez. Pourquoi il ne la touche pas? Oh, crève! Pourquoi elle m'attaque pas? Bon bah, toujours preneur, hein? Ouais. Ah, génial encore. Oh, toujours plus. Oh. Donc voilà, donc dans le dernier épisode, je vous rappelle que j'avais buté tout ce qui bougeait. Bon, je sais pas si on continue en fait. Parce que. Non, on va pas continuer, ce sera épisode par épisode. Et on verra comment ça se passe. Donc. Là en fait le délire, donc si. Enfin si j'ai pas été trop clair en fait sur ce défi là, ça va être que dès que je vois un alien, les phrases, enfin les mots que je connais pas dans certaines phrases, je vais devoir les imaginer. Et dire un truc, mais si ça se trouve qu'il n'y a rien à voir. Ah et aussi il faudrait que vous me disiez dans les commentaires, est-ce que vous préféreriez que je laisse les défis qui n'ont pas été sélectionnés, et que je les vous refasse sélectionner en fait pour le. Pour l'épisode d'après, ou est-ce que je renouvelle toutes les semaines les défis que je mets, genre par exemple tous les 3 épisodes je remets un des défis que j'avais mis dans l'épisode dont je parle et qui a pas été sélectionné. Donc ça j'aimerais bien que vous me disiez parce que je sais pas trop quoi faire en fait, je suis encore un petit peu indécis. Et là ouais. Tu veux pas ouais. Genre comme ça? Non? Ok. Et mais c'est vrai qu'en plus dans le dernier épisode, vous avez pas montré le mec avec la moustache, vous en avez juste parlé. Il faudrait que je le retrouve. Il faudrait que je le retrouve, hein. Ça serait. Oh, santé au maximum. Merci. Bien agréable. Élément à interagir. Wouah, trop cool! Oh! 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 Ah! Ah, mais je sais pourquoi je perds des points de vie. Voilà, c'est là. C'est dans l'exocombi. Système de survie, il me le dit depuis tout à l'heure en plus. Ah, bravo Nightmare, t'es trop fort, putain. Waouh! Montre-nous ton skill et tout. Ah, je me rappelle plus des touches. Oh, non. Voilà, c'est ça. Y a rien du tout. Ah, si, là-bas. Un mot. Un mot. Et j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il y a aux alentours. J'ai vu une ombre. Mais il y a des osios. Ah, bah voilà, là, il y a des osios. Le mot voix. Ah, c'est pratique ça. Les osios. Je sais pas vous. Non. Bon. Bon, pas bah sniff. Ah, propulseur de décollage, génial. Tu peux voler, hein, mais tu peux plus décoller. Du coup, pas ouf. Carburant insuffisant. Et bah ça commence bien. Est-ce que c'est avec ça déjà? Je ne me rappelle plus. Oui. Là, je dis oui. Voilà. Alors. On avait dit qu'on irait balise. Puf! Et puf! Et je pense que on va pouvoir changer de planète après ça. Faudrait que je vois en fait les planètes qu'il y a autour. Parce que j'ai vu, il me semble, une autre planète sur une autre balise sur une autre planète.
Mais genre, c'est super pratique, je vais vous montrer après ce qu'il me dit. Forme de vie avancée détectée. Ah bah voilà! Et bah voilà, regardez là-bas, hop, balise, hors de la planète. C'est cool. Ah! Mais... Ça va se finir, je vais le recharger au max. Alors, forme de vie avancée, c'était par là-bas. C'est ça. Bon, bah on se retrouve là-bas alors. Voilà, on y est. Alors, si lui il a une moustache, je vous jure que c'est vraiment pas fait exprès. Je veux juste qu'il ait une moustache. Une moustache. C'est parti pour la moustache, c'est parti. Il a une moustache. Voilà. Stabilisation du niveau Voilà. de culture. Voilà la moustache. Inventaire Bah, il veut plein. pas me. Ah. Oh. Oh, ils ont une arme. Tu la vends combien? 68 000. Ah mais elle est moins bien. Ma poteau. Tu me vends un truc moins bien. Pas ouf, hein. Pas ouf ton truc, hein. Non, c'est de la merde. Ouais. C'est de la bonne grosse merde. Alors, bienvenue dans la matrice d'approvisionnement, le marché actique. Ouais, c'est bon. Voilà, ça on vend. Ça on vend. Ça on vend. Magmox, c'est quoi ça? Je sais même pas où est-ce que j'ai chopé ça. Magmox vendu. Iridium platine sans garde. Bon, ça, après, hop, hop, voilà. Donc toi maintenant tu veux bien me parler? Ah, enfin le défi. Le guerrier semble moins agressif que ce que je... Le guerrier semble moins agressif que ce à quoi je m'attendais. Ses lèvres se retroussent sur ses dents dans le but de goûter à mon odeur sur sa grosse moustache. Arrête de mater ma moustache, espèce d'enfant importun. J'ai pas d'idée. Mais t'as quand même l'air sympa, donne-moi des isotopes. Voilà, on va dire ça. Allié proche, Vaiken ou plus. Allez. Le guerrier accepte de m'aider. Ah bah, voilà, je savais qu'en lui faisant des compliments sur sa moustache, ça allait passer. Oh. Encore? Oh. Si c'est la même. Importun. Vaiken. Importun, je ne vois pas de moustache. Tu n'es pas un Vaiken. Enfant de salaud. Veux-tu du bouclier? Voilà, ça passe 100 fois. Merci, c'est bien aimable. Tiens, regarde, je te caresse ta moustache comme ça. Hop, hop, comme ça. Ah, ah tu kiffes, hein? Ah, pardon, je suis désolé, c'était un petit trip. C'est le bossu de Notre-Dame! Oh, oh, regarde-moi ce dos! Allez, apprends-moi un mot. Tu veux pas? Oh, t'es pas cool. Donc voilà, donc ce défi, vous verrez que je suis pas très très créatif, hein. Là, niveau de créativité, là, on n'est pas ouf ouf, hein. On va changer de planète. Allez. Enfin, juste avant, on va faire hop, hop, voilà. Hop, voilà. Et bim! Bon, dans l'eau, j'ai regardé, il n'y a pas de bébête, hein. C'est assez chiant. Oh! Oh! Réception d'un signal? Attendez, attendez, c'est là-bas. Moi, je sais où c'est, j'ai vu. Voilà. Bon, bah, c'est tout droit. Voilà, on se rapproche. On se rapproche. Ozentefni 397. Vous voyez comme je dis bien? C'est quand même pas ouf, ça. Oh, c'est vert! Ah, c'est vert, il y a des plantes, ou alors c'est complètement irradié. C'est un des deux, c'est au choix. Et bim! Oh, j'arrive pas à dire. Stabilisation du niveau de la J'arrive pas à dire si c'est température. irradié. Flore généreux, pluie toxique standard. Régulier, ok. Bon, bah c'est irradié, génial. Génial. J'adore ce jeu. Dans la même galaxie, deux planètes irradiées. C'est cool. Où je passe en plus. Données de navigation reçues. Données de navigation reçues. Oh, alerte. Forme de vie avancée. Avant-poste, ah voilà. Voilà. On est arrivé. Bon, du coup, c'est reparti. C'est y part. Il n'y a pas beaucoup de bébêtes. Oh! Des bébêtes!
Non, ils ont l'air gentils, on va pas les tuer. Inconnu serviable, bon, c'est bon alors. Oh, attendez. Oh, non. Je me fais troll. Encore une moustache, putain. Encore une putain de moustache. Encore lui? Mais c'est le même. 10 emplacements. Mais non, mais ça, je m'en fous du coup si c'est le même. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Voilà, lire encyclopédie. Voilà, vous avez appris le mot bobine. Bah, c'est génial. C'est génial, bobine. J'aurais préféré apprendre babine. Salaud. Là, le premier mot, là, c'est salaud. Ça c'est sûr, à 100%. T'as caressé la moustache à mon pote. Je vais t'envoyer dans une distorsion. Attendez. Oh, j'ai pas d'idée. C'est bon, j'ai. Emmène-moi de la mousse à raser. Prendre le plan. Ah merde, j'ai pas lu. Des instructions pour concevoir mon propre chemin à travers des étoiles. Ça va, c'est inestimable. La chose d'ailleurs, machin. Inspecte ses armes, évitant mon regard, elle attend que je parte. Nouvelle technologie découverte. Mais j'ai déjà ça. Attends, vaisseau d'atteindre la vitesse, sauter de système à un autre. Ah, mais non! D'accord, ok, c'est bon. J'avais pas ça. Ça, bah, ça, je prends. 10 mots appris, confus. Eh oh, je parle comme Baudelaire. Alors, tu vas te calmer tout de suite. Baudelaire, il parle en Viking. C'est sûr. Voilà. Lui, je me rappelle plus. Anxieux. Ah, donc lui, ça veut dire il peut m'attaquer, genre. Salut, c'est moi. Je vais te défoncer ta race. Ah oui, et aussi, du coup, parce que bon, le retard, tout ça, je me suis pas excusé. Parce que je dois vous avouer que c'était un peu la merde. Alors la première semaine, enfin celle où j'étais censé sortir le troisième épisode, du coup, c'était un peu la merde. Alors, qu'est-ce que j'ai eu déjà cette semaine-là? Je sais plus ce que j'ai eu la première semaine. Bon, je sais plus, mais en tout cas, la deuxième semaine, j'ai eu le code. Et en fait, genre, j'étais complètement déter pour faire une vidéo, puis le code m'a attrapé, m'a dit bah non, tu vas aller réviser. Et donc, au résultat, j'ai eu deux fautes. Donc, j'étais plutôt refait. Et carrément content. Oh bah, lui, il est tout seul face à un mur. Merci, mec. On va essayer de le signaler. Attendez. Le guerrier reste silencieux un instant, puis me lance un regard de conspirateur. Il jette un coup d'œil à ses collègues derrière lui. Avant d'éteindre les systèmes de sécurité. Quoi? Mais il n'y a personne derrière lui. Le guerrier ouvre la cellule d'échange située à ses pieds qui révèle une multitude d'améliorations pour multi-utiles. Il désigne le contenu de mon inventaire en guise de monnaie d'échange. Attendez, ça va pas du tout. Pourquoi je le signalerais? Il m'a rien fait. Espèce d'importun, tu me prends pour un fou, c'est ça? Fais gaffe, moi j'appelle mes potos. On est 42. SE, j'appelle Booba. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Moi, je vois que ça. Hein. Proposer des unités, allez. Le guerrier soupire et referme brutalement la trappe de la cellule. Il semblerait que les unités puissent être tracées par les autorités. Attendre quoi? Parce que bon, c'est bien sympa, mais... Apparemment, on appelle le détresse automatique envoyé il y a plus longtemps, on n'a pas de reçu de réponse. Si je pouvais appeler, machin. 1, 2, 6, 24, 120. Attendez. Allez, je vais dire 620, mais c'est du pif total. Aucun signal trouvé. Ok. Bon, bah c'était cool. Si vous avez la réponse, je veux bien que vous me la disiez parce que là, je vois absolument pas. Choqué, déçu. Oh, des oiseaux. Je vais me prendre un pigeon sur le pare-brise. On va saloper mon pare-brise, cet enfant de salaud. Alors, un truc que j'aimerais bien voir avec vous, c'est une épave de vaisseau. Parce que ça, c'est assez cool. Et genre, ça donne un... Je te permets pas. Ça nous donne un vaisseau gratuit en fait. Enfin, faut juste le réparer et du coup, au final, on a un autre vaisseau. Non, c'est pas ça moi que je veux. Moi, c'est lui. Il m'a analysé quand même le caillou qui était devant moi. Oui, en effet, c'est un caillou. Oui. T'as rien à me vendre, toi. Non, t'as rien à me vendre. Non, mais je t'aime pas en plus, t'es moche. J'arrive pas. On dirait que je suis bourré quand je fais ça. Bon, on va aller à la station spatiale. Ah, c'est-y pas.
Oh non, attends, on va pas si haut. Mais pourquoi il... Oh, mais... Okay, donc cette sorcellerie. Voilà. Voilà. Et maintenant... Là-bas. Voilà. Bon, on se retrouve là-bas. Voilà. Donc on est arrivé. Ah, c'est des gentils, ça. Ouais, si, c'est des gentils, on va pas les fight. Pourquoi? Parce qu'on est des mecs sympas. Et c'est ça l'important. L'important, c'est d'être des mecs sympas. Enfin, des mecs ou des meufs aussi, ça marche. Hein. Voilà. Ici, on peut aussi acheter des vaisseaux aux gens. Et ça, c'est cool. Wow. Et il a encore une grosse moustache. Oh, mais lui, la sienne, elle est mieux. Lui, la sienne, elle est mieux que tout le monde. Lui, il a tout compris. Lui, il doit utiliser un gel Dove. Dove pour la moustache. Je vois que ça. Parce que regardez-moi cette moustache, mais... Ah, mais ce swag! Regardez ça. Oh là là. Bon, allez. Dis-moi ce que t'as à me dire, salaud. Wow. J'ai vu un mec, c'était vraiment un importun. Et ceux qui ont des grosses moustaches telles que les miennes sont des Vaïkens anciens. Vas-y. Partager l'oxygène. Une marque de morsure rouge et récente fait le tour du cou du guerrier. Il y a des marques de griffes dans sa poitrine et la forme de vie aboie avec le dédain satisfaire. C'est évident que ses blessures sont pourtant graves, elle a du mal à respirer. Partager l'oxygène. Bah voilà. Guerrier prend quelques inspirations avec son système respiratoire. Ses yeux brillent, il me remercie. Et bah voilà. Et bah voilà. Tu vois quand tu veux. Estime que vous porte la race Viking a augmenté. Bah j'espère bien, je viens de sauver un de vos poteaux. Vous êtes important aux yeux des Vaïkiennes. Arrêtez de rester ici, sinon je vous balance Tounak. Le guerrier frissonne d'excitation avant de m'agresser. Il aboie sauvagement, exposant ses canines jaunies et sa langue ensanglantée. Putain, je viens de te sauver le cul. Voilà. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre le truc pour changer de galaxie. Prendre des articles, ouais, bon, si tu veux, à la limite. Acheter. Inventaire vaisseau. Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Alors déjà, il faut qu'on arrive à faire. Hop. Hop. Hop, ce truc-là, ça, on va le vendre. Et on va faire ce truc-là. Résonateur dynamique. Il nous en faut un. Pour faire un résonateur, enfin, on va plutôt l'acheter parce qu'on est des gros flemmards. Non. Adelin, tu n'as plus de doigts. Alors, résonateur dynamique. Ok, on achète. Là, je prends. Alors, hop. Hyperpropulseur. Il me manque de l'iridium. Eh bah bravo. Eh bah bravo. T'as tout compris. T'es trop fort. Achetez. Iridium. Dis-moi que t'en as. Oui. Oh, dis-moi que t'en as assez par contre. Dis-moi que t'en as assez, pitié. Oui, c'est bon. Voilà, chargé. Les cellules de distorsion. Alors, les cellules de distorsion, je ne me rappelle plus comment on les fait. Mais il me semble que c'était une galère à prendre, enfin, à trouver. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ils les vendent pas comme ça. Allez, hop, ça on va acheter, ça on va acheter, ça on va acheter. Et voilà, c'est le jeu de distorsion. Maintenant, il va falloir trouver un moyen de les faire. Jet impulsion, non, ça on s'en fout. Ça ne me plaît guère. Vapeur électron. Nécessaire pour fabriquer. Non, ok. C'est pas ça, c'est le jeu de distorsion, voilà, c'est ça. Tamium et antimatière. Et comment on fait de l'antimatière? J'en ai aucune foutue idée. Si vous êtes de tout cœur avec moi, mettez dans les commentaires le hashtag Adelin en galère. Il me semble qu'il me fallait ça. Je suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr. Ça se trouve, j'ai même pas eu les schémas et je suis en galère. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est s'en aller, aller regarder les vaisseaux qu'il y a, triper dessus, et la prochaine fois, on changera de dimension. Oh, ils ont tous des moustaches de plus en plus belles. Vous êtes un guerrier à la vue de votre moustache. Piotr semble mécontent de ma demande de négociation commerciale, mais il se change finalement de lui. Machin, il propose une série de petits abonnements. Genre, ok. Faire une offre. Alors, lui, il le vend 1 310 000. En vrai, c'est pas très cher. Pour 24 emplacements, c'est vraiment pas cher. Et il les soigne. Il les soigne, il les soigne, il les soigne. Voilà, dans ma vraie partie, j'avais celui-là. Et celui-là, il est cool. Mais ça se trouve, lui, il a pas beaucoup d'emplacements. Oh, mais arrêtez, vous m'excitez. Le guerrier aboie avec enthousiasme, se prépare à revoir sa sortie en inspection, ok. En vrai, ça va. Oh, il est beau aussi celui-là. Il est pas mal du tout. Ah oui, c'est le moment shopping. Ah bah lui, il a pas de boost. Bon, alors toi, t'as rien compris au soi. Mais comment vous voulez que je traduise ça? Le mec dit juste important. Prépare un machin, ok. 20 emplacements, 165 000, c'est pas très cher. C'est vraiment pas cher, même. Bon. Du coup, on va pouvoir s'en aller. Et surtout se laisser là. J'ai jamais essayé d'aller au bout de la piste. Nightmare Usain Bolt. C'est les mêmes. C'est. Bon, je suis pas noir, mais c'est pas grave. C'est la seule chose que j'ai pas en commun avec lui, de toute façon, hein. Tout le monde le sait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut sauter dans le vide? Ah bah non, on est bloqué. Oh bah fromage. Ouais, ce jeu est nul de toute façon. Bon, bah du coup on va se laisser là sur cette sur ce magnifique vol d'avion. Attendez, attendez. Hop, voilà. Hop. Voilà. On va se laisser là. Et donc oubliez pas, votez donc pour le Stropol de l'épisode 4. Je pense que pour cette fois je renouvellerai encore tous les défis et je laisserai pas les deux qui ont pas été sélectionnés sur celui-là. Mais j'ai une petite idée pour le prochain. Enfin, un abonné, je me rappelle plus qui c'est, qui m'a donné une petite idée pour le prochain épisode, du fait qu'il y a eu un petit problème dans l'épisode d'avant sur le record de frappe. J'espère que là ça aura bien marché. Et donc voilà, donc je vous garde une petite surprise. Et donc oubliez pas, votez. Et mettez un pouce bleu, tout ça, commentez, c'est vraiment, c'est, vous imaginez pas le plaisir que ça me fait en fait quand je vois des commentaires de vous. Et donc voilà, donc des gros bisous et ciao, à la prochaine!